Cher MC4, l'heure du nouvel ère est arrivée. Vous êtes ici sur de nouvelles terres, des terres vierges et immaculées, de toute forme d'industrie. Cette partie du monde est hostile. Elle est peuplée de créatures que vous n'avez jamais rencontrées. Elle comporte des nouveautés que vous ne soupçonneriez même pas. Votre mission sur cette nouvelle terre sera de développer l'industrie Joris sur le monde entier. Mais cela ne sera pas facile, vous partez de rien. Ainsi, je vous aiderai. Dès que vous réaliserez un de mes objectifs, je vous donnerai une petite récompense aléatoire. Mais ne croyez pas que cela sera simple. Quand l'un d'entre vous décédera, il ne pourra revenir à la vie que le matin suivant. Votre vie ne pourra remonter que dans la fontaine des fées en échange de points d'expérience. Vos très chers abonnés pourront également vous proposer des quêtes à réaliser pour moi. Sur ce, chers employés, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas, vous travaillez pour moi, vous devez être corporate, merci d'avance. Chers abonnés, bienvenue dans la série Newlands. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 qui rame pour le tout premier épisode de Newlands en compagnie de Je vais les rejoindre, en compagnie de Belle, de Frosty, de Girls, d'Inferno, d'Oterion, de Fanax, de Spirit, de Squalalol et de Will. Salut tout le monde. Bonjour. Hey, il m'a oublié. Donc je l'ai dit en premier, genre. Rappelle-le. Yo tout le monde. Ben, si je l'ai pas dit. Wow. Nous sommes 10 personnes. 20 putains de FPS et 10 c'est putains historique. De personnes pour lancer cette série. Évidemment, un peu moins de gens sur le serveur. Hein. Inferno n'a pas pu venir. Fanax a dû crash. Non, il n'a pas de coup. Non, mais j'arrive. Qui est parti? Oterion a déjà perdu la moitié de sa vie. Ouais, et sachez sinon qu'on est en UHC, bande de cons. Oui, ah là là, putain, les pires. Bon, on va lancer cette survie rocambolesque, restreamée en direct sur Twitch. Avec l'interface Twitch. Je vais surveiller un petit peu mon Twitch d'ailleurs, mais je vais pas beaucoup le faire parce que... Voilà, tout le monde est full vie. Black Hole est là, mais sur le chat Twitch. Hein, son Discord est là. Il a donné le full vie à tout le monde. Allez, c'est parti, on commence. Go. Minute, j'arrive. Et on joue à Minecraft, alors mode ou pas mode, même si j'ai fait une petite présentation brève de la série avec mode ou pas mode, coupé du bois. J'ai oublié de mission le principal déjà. Et on félicite également mention spéciale au micro de Frosty qui. Mais c'est pas moi qui te flanque. Non, mais c'est pas que tu souffles en fait, c'est que tu parles dans le micro. Mon dieu! Faut tirer ce micro des fesses! Hey! Et sinon, je l'ai pas dit. Tiens, ça d'ailleurs, ce scoreboard. Ah bonjour! Je suis Jackie. Mister. Je suis Jackie. Bonjour, je suis Jacques Bou. Fanax, t'es bleu. Il est joli ton nouveau skin, Fanax aussi. Allez, on félicite Squalalol, premier décès de Newlands! Qui s'est fait tirer dessus par un bouton. Configurer tous les contrôles. Donc voici le Jarex mode. Bon bah à la prochaine. Hein. On ne se bat pas contre un auton à la main. Voilà. Donc la règle est la règle. Squalalol, même si on sait que c'est tu es un peu l'invité d'honneur qui joue pas beaucoup à Minecraft tout ça. Tu t'es frité avec un auton, no stuff. Il va falloir attendre la fin de l'épisode pour revivre. Car oui, comme vous l'expliquez, Chloris, toute personne morte est en game mode 3 jusqu'au petit matin. Et vu que c'est qu'on est qu'au milieu de la journée, bah ils peuvent attendre. Petite astuce, les ennemis sont pas gentils. Oh là oui, là. Et on remercie Oterion qui vient se faire tuer par le même auton. Bon bah les mecs champions. Mais je connais pas, j'ai cru que c'était un mec gentil moi. Ah oui, mais c'est un auton. Mais tous ceux qui ont regardé la série 1 de Doctor Who ou la série classique. Mec, tu tapes tout ce que tu vois, tu lui pètes la gueule. C'est non, la nuit tombe. Les gars, on remet le jour ou pas? Moi je suis Spirit. Tu peux remettre le jour pour cette occasion, ça ressuscitera les premiers décédés en plus. Oui, le chi, dès le départ, hein, n'oubliez pas que notre mission c'est d'aider Joris à créer son empire. Joris qui me dit: bonjour, c'est LB35, veux-tu recevoir une nouvelle quête? Je te demandais de qui vous êtes. Ou si vous êtes vraiment une nouvelle quête, j'ai obtenu la quête numéro 1. On peut pas la recevoir nous, la quête. Non. Une quête? Non, ne appuie pas sur le bouton. C'est des quêtes collectives. Alors. Bon, je vais mettre un skin un petit peu moins corporel. Et on remercie Oterion, mais pourquoi t'as une épée en diams? Je l'ai trouvée par terre. Quelqu'un l'a droppée. C'est quoi? Je l'ai trouvée par terre dans l'eau. Faudra que quelqu'un chronomètre le temps qu'a pris cette série à partir en couille. Ouais.
c'est abusé. Bon, sachant que j'ai pas trop de FPS à cause du stream, je vais enlever Shader exceptionnellement pour cet épisode. Je l'ai trouvé dans le... Oui, bah c'est pas une raison, imbécile, tu m'as frappé avec, on est en UHC, connard. Quête numéro 1, Nouvelle Terre. Cher MC4 Team, fidèles employés, vous voici sur de nouvelles terres. Votre première quête sera de vous créer un abri, de façon à survivre à la première nuit, sachant qu'il est interdit pour le départ de se protéger dans, la, dans le siège social de Joris Industries. Alors, est-ce que les gens... Tout le monde a l'air vivant pour l'instant. Oh là non, pas bah, plus maintenant. Bon, il est arrivé par derrière, le mec. Et bah voilà. Alphanax, il est dans la fosse requin. Hein, c'est des requins. Quelqu'un aurait pu me le dire. Putain, mais quelle bande de pranks, sérieux. Mais vous êtes mauvais, Jack. Je vous rappelle que le but, c'est quand même de vous crafter des machins. Sortez-moi de là. Je vais commencer par vous crafter une épée. Mais crafte des machins. Ouais. Moi, j'ai freeze, perso. Bah, pareil, en fait. Y'en a pas beaucoup qui jouent ça. Putain. Et on fait les shit. J'ai pas le temps de te sauver, putain. J'ai eu un freeze en même temps. Okay. Le coup de la fausse à requin. Très bien, donc mais quoi? Pourquoi j'ai entendu? Franchement, Frosty, si tu sortais ce micro de tes fesses, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Et donne cul aussi, pour tout le monde. C'est normal qu'il y a pas de mob. Tiens, c'est marrant, j'ai pas entendu. Il y a des requins. J'ai pas entendu. C'est sûr qu'il y a des mobs. Ouais, mais y a pas de. Y a plein de mobs de mode, mais y a pas d'animaux, genre des vaches. Bah, va dans la forêt d'à côté, parce que là, si tu veux, on est dans un biome au plein. Non, mais y en a pas, il a raison. Y en a pas. Bah, c'est complètement abusé, enfin, je sais pas. Bah, c'est pareil, moi j'ai cherché, j'ai trouvé qu'une petite brebis de merde. Wow. Et c'est là, quand je l'ai tué, que j'ai trouvé Jackie qui m'a fait. Eh, hey, mais est-ce que j'ai le droit de tuer Rodolphe? Parce que je risque d'avoir faim en fait assez vite. Oh, pas Rodolphe! Oui, je t'ai donné, j'ai donné un starter à tout le monde. On peut le pousser dans les rangs. Ah, bah, très bien. Même si c'est complètement de la triche, mais très bien quand même. What? Attends, Dalek de merde! Ah bah oui, Autérion, un Dalek ça tue vite. Bah de base, les Daleks ils sont pas réputés. Franchement, on est infesté de Dalek, ça va faire ça. C'est des Bacol qui sont pas morts encore. Non, moi je suis pas mort non plus. Ok. Mais ouais, enfin, il s'est quand même TP sur moi pour survivre. Ah, je vous demande pardon? Je sais pas, d'un coup je l'ai vu se TP sur moi, j'ai fait. Ça aussi fallait. Je vous rappelle que la quête numéro 1 c'est de survivre à la première nuit, donc si on survit pas au premier jour déjà, ça va être emmerdant, tu vois. Tu juges pas, d'accord? Tu juges pas. Si tout le monde est mort d'ici la nuit, la première quête est ratée, hein, je vous rappelle. CLB, du coup c'est quoi? Moi je risque pas de mourir, CLB, t'inquiète pas. Tout le monde parle plus ou moins en même temps, il y a des trucs que je rate. Mais y'a pas de mob Vanilla. Ouais, y'a pas de mob Vanilla. Non, parce que j'étais en train d'être choqué au sujet de ton skin, CLB. Ah, le 10ème docteur. Tellement bien. De toute façon, tu me vois dimanche. Bah oui, toi aussi, et puis tout le monde, parce que hier c'était mon anniversaire. Voilà, et donc, ce qui fait que je suis peut-être un petit peu moins jeune. Bah, 15 ans, je pense que je suis déjà en dessous de la moyenne de cette conf. 15 ans. Attends. Oh non. Ah oh. Je suis mort tellement je suis choqué que t'aies 15 ans. C'est ma faute. Très bien. Bon, écoute, je vais m'aménager un abri ici parce que le temps file. Je vous rappelle. Non. Attends, tu vas pas te prendre un strike pour ça. Attends, SLB, bah, tu vas pas les gens qui nous mettent un strike. Faut savoir que moi je fais un content ID quand même pour de la musique classique du générique, donc. Oh. Bat de baseball, ça c'est beau. Depuis longtemps. Oh purée, c'est un mob. C'est un mob. Oh putain, Fanax, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai rencontré un mec, j'ai cru que c'était un mec, mais en fait c'était un mob. Et il m'a tué en deux coups. Putain, non, mais si vous croisez des otons, genre des mannequins en plastoc, tout ça. Bon, mais je vous suivre depuis le live. Ok, super. On va aller sur le live, ça marche. Je suis mort par un genre bizarre. Mais moi aussi je suis mort par un genre bizarre et j'ai toujours pas. Je pense qu'on a sous-estimé la puissance des otons du Dalek mode en fait, parce qu'on a peur des Daleks et tout, mais les otons. En vrai, c'est le méchant du premier épisode de la série moderne, c'est des mannequins qui. Black Hole, il est sur le Discord Geek Knight. Ah! C'est vrai que pour une fois, pour des raisons de nombre de slots, on a trouvé plus simple de se pointer sur l'histoire de la MC4, d'autant que c'est un projet de la MC4 que nous concrétisons aujourd'hui. Et ça, c'est fort, et ça, c'est beau. Et ça, c'est Tournevis Sonic qui remarche! Ah, mon Tournevis Sonic remarche! Nananer. J'adore.
Trust me, I'm the doctor. J'arrête ou pas la musique un jour? Ouais, peut-être un jour. Ouais, parce que si ça tourne en boucle, je veux dire, ah ouais. Bon. Bah, j'ai pris la version Deezer. Hein, comme d'hab. Hein, oui, bah, oui, bah non, j'ai perso. T'as Wilbar qui m'envoie et arrête la musique. C'est ça très pertinent. Bien. Quand on est mort, on doit attendre le nouveau jour. Ouais. Oui. Le nouveau jour. C'est bientôt, de toute façon. Bah, il faut d'abord la nouvelle vie avant le nouveau jour. Faut qu'on arrive à. Non, mais je joue beaucoup plus safe. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Moi, j'ai déjà un plastron et un casque. Ok, j'ai rien dit. T'as pas le droit à un petit. Ah, c'est le tryhard. Eh, je m'attendais pas à ce que ce soit Girls qui tryhard le plus. La Gold est pas là pour lui faire la concurrence, mais. Non, mais sérieux, moi je trouve du fer, mais. Là, je viens de me crafter ma première pioche en pierre, tu vois. Enfin, je suis en... Il y en a qui tryhard, et puis moi je tombe dans la fosse à requin, et puis j'en fais un mec qui me tue en deux coups. Le charbon de bois, tu fais cuire des logs. Des Non, mais moi j'ai trouvé du charbon, donc c'est cool. Ouais, moi aussi. Du charbon, j'en ai 18 si tu veux. Brûle ton bras. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai mis 2 S. Ouais, non, c'est-à-dire que. Qu'on peut faire brûler des cuivres et puis ça fait du charbon quoi. Ouais. Du charbon musical. C'est cool à écouter les brass bands. Ah, la nuit tombe. La première nuit tombe sur Newlands. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va en chier. Oui, vous allez tous mourir. Ah bon? Je vous cache pas qu'on va vraiment en chier, genre des gens sont morts de jour déjà, donc première exploit. Hein. Le mec, t'as des Daleks de jour, hein. C'est vrai que les mobs les plus chiants du Dalek mode spawn même de jour. Genre si t'es full games et que t'as 2 Daleks en face de toi, c'est chiant à négocier, les trucs te tuent quand même en 4 coups quoi. J'ai pas fait de présentation propre pour la série, mais bon ça viendra après on va dire. On s'en fout. Ouais, on s'en branle. Tu la feras après le live. Ouais, je la ferai après le live, mais c'est souvent ce que je fais hein, pour Minecraft Zeto Fer. Hein. Quand il s'agit de donner des explications claires, je fais pas pendant le record. Ah, non, faut pas essayer, non. Non, ça devient vite chiant. CLB. Ça devient vite impossible d'ailleurs. Oui. Ben, par contre, tu seras pas remis en survie si tu te mets pas. Je sais, c'est pour ça que je me suis mis en game mode maintenant. Ouais. Dommage qu'à cette heure-là, Tinjoff puisse pas venir, mais avec lui. Vous êtes bien là, vous avec deux. Lui et Charles, on serait au complet. Et The Creepy aussi. Je sais pas ce qui branle, The Creepy en vrai. Y'a Frosty et Black Hole dans la même grotte, c'est drôle. Ouais, c'est curieux. Ben, je crois qu'ils sont décidés de faire switcher les channels pour partir faire un duo. Attends, je vais aller les voir vite fait. Et je vais rien dire, mais attention quelqu'un. Je dis absolument rien, mais non, je vais laisser comme ça et je vais laisser la magie opérer. Ah, c'est ton Minecraft. Et ben, ton Minecraft c'est un FDP. Oui. Même si on ne traite pas les gens de FDP dans la théorie. Ah non, c'est pas drôle. Oui. C'est même pas drôle. Ah bah c'est pas moi. Eh, t'as sécurisé les commandes blocs? Les commandes blocs? Bah non, mais je vous fais confiance. Enfin si, il y en a une partie qui est sécurisée, mais pas tout. Je vous fais confiance! Parce que je les vois en game mode. Non, je suis mort, et c'est pas très agréable de me dire. Ça fait un moment que j'ai pas. Je pratique la mort. C'est encore moins agréable quand t'es admin. Faut pas miner en haut d'une montagne. Pas admin. Fanax, je joue le jeu, mais... Ça va, Fanax? Lol. Ouais, jouez le jeu, s'il vous plaît, hein, genre. Non, t'inquiète, on te spectate juste. On te regarde mourir. Moi je regarde tes vies, j'attends que ça descende à zéro. Ouais. Squala lol, le bâtard. En plus, moi j'ai le truc qui permet de voir la vie des gens. Fait chier. Je vois même là où tu te diriges, CLB. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Elle est psychopathe, ça c'est des gens de gars. Regarde, me dirige dans ton cul. Quand tu l'as creusé. Alors. Car j'ai déjà une pioche en fer, donc. Attends, j'ai eu un bug de chunk, j'ai cru qu'il y avait de. J'ai vu le vide de l'espace étoilé sous mes pieds, c'était n'importe quoi. Waouh. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de bug de chunk comme ça, faut dire qu'on est en 1.8 pour cette série. On est en 1.8 pour des raisons de compatibilité de notre pack et tout. Ouais, je réfléchis longtemps avant d'arriver à. Ouais, c'est pas plus mal parce que ça part en couille après. Une nouvelle, j'ai découvert une grotte. Mauvaise nouvelle, il y a un Dalek et un robot. Ah bah c'est bon, si t'es pas au moins full fer, tu peux pas négocier ça. Qui a dit bonjour? Exactement. Salut, c'est moi. Ah, c'est super. Salut, c'est toi. J'ai réussi finalement à me connecter, c'est bon. C'est merveilleux. C'est génial. Ouais. C'est génial. Je prends mes affaires. Oh oui, mais fantastique. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? On se bat contre le monstre du mal sur l'île de Corinna. Moi. Pas moi. Pas moi. Allez Spirit, je crois en toi. Tu vas les défoncer. T'es mon champion. Allez vas-y. Tu les défonces. J'ai confiance. Moi je préviens. J'utilise la stratégie de la. On entend mal Spirit. C'est quand? Je suis sûr qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Spirit fait des chants. Je me casse. Je fais la stratégie de la fuite. Je me cache. Sous la terre. Je veux dire les commentaires. C'est un problème. Merde, tu sors la blague.
Quoi? Ah, t'es raciste? Ah, c'est tellement raciste. Mais non, vous inquiétez pas. Frosty, bah, je vais chercher du bois. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Mais ne meurs pas. Wood, tiens. Wood, non, wood, t'inquiète. Wood. Non, vas-y, attends-toi, tiens, j'ai mis une épée en fer. Attends, mais je... t'as du fer? Non, ah non. L'espace! Adieu. J'y vais, c'est bon. Adieu. Adieu. Adieu, Frosty. Alors, on a eu de la, on sait pas ce que c'est, mais on va dire qu'on... On va dire que c'est une sorte d'éponge chelou. On se retrouvera dans notre monde. Panax. Cheater. Ah bah ça marche. Ah, j'en ai deux. Il m'en faudrait juste un autre. C'est bientôt le jour. Actuellement, Altic est en train de dispenser ce message à son propre Minecraft. Allez, vas-y, girl, j'ai confiance, tu es défense. C'est merveilleux. Ah, merci. En fait, quand vous étiez sur le salon avec Frosty, je m'attendais à ce que Frosty vienne dire « Eh ouais, mais tous les people, ils sont sur le salon MC4, faut venir. » Non, mais en fait, vous êtes juste enjaillé dans votre coin, pépère. Ouais, mais c'était sympa, on a parlé. Ah bah, c'est moi qui l'ai fait ramener. On sent qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici. Bon petit, s'il te plaît, et ce pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Ah, c'est génial. Il a pas, hein. Bon, on sent qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer. Allez, je vais pouvoir jouer dans quelques instants. Le nouvel EPB est sorti, il est génial. Ouais, c'est vrai que le nouvel EPB, il est vraiment pas mal. Il est vraiment cool. Le jour, le jour. Comme ça, mon boss. Bon. Le jour, je pas papa comme ça, à mon boss. Les du long et lui épant, donc t'es joyeux, là, qui bosse. Ouais. Tiens, j'espère que. Légendaire, y a encore un onomatopée. J'ai grotte. On est 11 pour ce soir. Ouais, et c'est beaucoup. On est 11 sur le local. Et on est 3 sur le Twitch. Et ben voilà. Le jour se lève, vous obtenez un surplus de vie. Yay! C'est allez beaucoup. Les mecs! Il va falloir que j'attende une minute. On est beaucoup! Et c'est là-dessus que je vais valider la première quête de Newland, Nouvelle Terre. Ouais! La quête est validée, j'ai obtenu un beacon, sa race. Bon, il y a un petit bug d'affichage. Mais comment on fait pour valider la quête en fait? C'est que celui qui l'a demandé à la base qui peut le faire. En l'occurrence, moi, parce que c'est moi qui filme, mais si quelqu'un d'autre filme, on peut le rendre. Ouais. Bon. J'ai un peu de fer qui vient. Ouais, j'arrive tout de suite, je reviens. Je vais valider le beacon sur son socle. Je vais faire une porte. Bah c'est bien, prends. Je reviens, j'ai fait du bois, j'ai pris du bois. Et je vais avoir une récompense aléatoire. Maintenant que j'y repense, les récompenses sont peut-être un petit peu abusées. C'est des items non craftables en général. Oui, j'ai eu le staff téléporte. Putain. Bah ça va. Sérieux. Full random. Ça va. Un gros décalage. Bah c'est normal, c'est bon, tu commences à comprendre comment ça marche en live. Ouais, j'ai du bois, tiens. Non, on descend. Bah c'est bien pratique. Oh mais putain, j'ai un 40 giga de chute, mais je suis trop con quoi. Mais non, encore CLB. Le lag. CLB, on va avoir un problème de bouffe, hein. Y'a vraiment aucun mob. Aucun. Y'a aucun mob. Attends, je te donne du bois. On en fera spawner quelques-uns, on se démerdera pour faire des élevages. Désolé, un mec qui est pas. Du bois, merci. Voilà, il y a un milliard de cannes à sucre, mais il y a un million de mobs autour. Je me fais une pioche, et puis après... Ok, vas-y. Bon, qui va prendre en premier, lancer les... Bah attends, je vais essayer de trouver aussi des mines de fer. Je vais crafter un coffre et je vais y ranger mon précieux staff téléporte. À gauche, t'as une grotte. Et je t'interdis de le faire, Max. Mais je veux juste voir ce que ça fait. Non, mais tu veux... Je suis poursuivi. Tu risques de t'étouffer dans les murs avec, donc... Il y a des milliards d'automes partout. Juba bien. Ouais, Juba bien. Je suis trop jeune pour mourir. Partout. Putain, j'ai vraiment perdu de la vie comme un con avec le staff téléport d'ailleurs. Il y a des tirs partout autour de moi. Je suis pas bien. CLB, il y a un abonné à toi qui te demande de faire une FAQ. Désolé pour ce rire particulièrement sonore, mais je sais qui c'est, enfin de quelle classe ça vient, disons. J'explore une grotte là, c'est un peu bizarre. Enfin, je crains pour ma vie. Black, ouais, quoi? Viens voir ce que tu as. Nous allons commencer la carte numéro 2. Là, j'ai du fer, j'ai beaucoup de fer. C'est tout simplement créer notre équipement et pour cela, on minera un maximum durant l'épisode. Ça va, passionnant. Mais tout cela, ce sera dans l'épisode 2 de Newlands. Donc, wait. Attends, regarde. Fraps! Il y a de l'or. On a trouvé de l'or! Mais moi, j'en ai Fraps, nique ta mère! Bon. Il prend quand même, hein. Oh purée, mais non, mais... Oh non, au moins OBS enregistre toujours. Je l'ai même pas vu arriver. Ça fait déjà il y a un deuxième abonné qui vient de demander la FAQ. Bah, sur ma chaîne perso, dans pas longtemps. Décidément, t'as du succès, c'est... Ouais, auprès des gens de ma classe qui ne m'appellent plus par mon prénom, il y a d'ailleurs.
En fait, il m'engueulait quand il m'appelait par mon prénom sur les lives, donc du coup, maintenant, même IRL, il m'appelle CLB tout le temps. Sérieusement? Eh, CLB, tu peux prêter ta colle? Sérieux? Ça tendance à me. Genre, c'est... J'ai tendance à m'énerver à moitié quand ils font au bout d'un moment. Mais putain, appelez-moi mon prénom! Mais en vrai, c'est marrant quand j'ai réfléchi ça. C'est plutôt flatteur. Flatteur de quoi? Bah, je sais pas, ça montre qu'ils te connaissent au moins. Ouais, c'est vrai. Que tu n'es pas parfait inconnu et qu'ils sont mon frappe, ça déconne sa race, donc du coup, il y a une partie des rushs de l'épisode qui sont de la rediff du live. En vrai, je suis désolé, mais niveau qualité, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est les aléas de cet enculé de Fraps. J'avais dit que je m'en servirais plus de ce logiciel, mais ils sont chiants. C'est sympa. Sur ce, l'épisode 1 va s'arrêter. On va enchaîner dans la foulée avec le même monde pour l'épisode 2. J'espère que cet épisode vous aura plu et que cette rentrée en matière pour Newland, ma foi plutôt bordélique, mais à l'image de ce qu'a toujours été Minecraft, vous est offert. La sponsor bleue. Là, il y a de la vraie conclusion. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir, vous m'aviez manqué putain. C'était CLB. La France bleue. Salut. Salut à tous. Au revoir. Salut à tous.